Coucou. Alors on va essayer de. On a tout exploré. Ah non, il reste un point d'interrogation tout en bas. C'est parti, on va aller voir ça tout de suite. En espérant trouver du pognon, du fric, pour s'acheter plein de PlayStation 3. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans. Apparemment, dès qu'on rentre dans les maisons des gens ici. C'est des PlayStation 3 qu'ils ont. Comme si ce jeu était édité par Sony. Bizarre. Parce que je suis dans la bonne direction. Ouais, on va continuer. Je pense que chaque bâtiment a un truc, hein, j'imagine. Enfin, tu l'as peut-être pas vu la gueule. Ouh. Bah, voyez, je parlais de pognon. J'étais pas si loin que ça de la vérité. Pas l'impression de pouvoir passer par là pendant. Par le trou là. On va voir. J'aime pas trop ça, hein. This is cool. In like a holy shit, we might get crushed kind of way. Carrément, et je pense même qu'il va y avoir des putains de cliqueurs et tout ça là. Oh, je vais retirer du cash. Ah putain. J'ai des grenades. Ah oui, c'est des anciens militaires. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être dur, hein. Ah, mon dieu! Putain, mais lui, là... Faut que je tue les runners avant, en fait. Ça va être compliqué, là. Ah, putain! Bouge pas, bouge pas, bouge pas! Oh. Putain, j'ai réussi à faire une animation de face. Non, 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 non! Non, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit. On fonce, on fonce! Pas loin. Quand il me reste quoi? Il me reste quoi? Il me reste un runner. C'est tout? Non, je crois qu'il y en a d'autres, mais. Est-ce que ça fait trop de bruit ça? Oh putain, putain. Allez, 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 saisir. Oh non, putain, non, juste à côté. Oh non, 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 non. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a réussi, hein. C'est pas si facile que ça, mais on a réussi. Et voilà, on va sur une petite richesse, prendre tout le pognon, se barrer au Colorado, et bye bye, la vengeance, Abby. Ouh, le coffre, le code 602-306. I think these body armor guys were trying to rob the bank. Oh shit. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Oh yeah. I love that movie. Putain, on y était presque. Est-ce qu'il parle de Point Break? Attendez, 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 il y a sûrement des choses là, du pognon, du flouze, du cash. C'est la Hesse à la Allez, non, il y a rien. Alors là, le code, je l'ai déjà oublié, hein. Here we go. Putain, je l'ai déjà oublié, c'est pas possible. C'était 300 quelque chose. 302, 306. J'étais pas loin.
Et du coup, ça va faire 23 et 06. Tada! Fusil à pompe. Génial. Thanks, dude. Ça va faire la diff, ça. Oh là là. Par contre, il n'y a pas beaucoup de. Ça vibre. Elle n'est pas encore sûre de la précision de ce fusil à pompe. Tous ces sacs de pognon qui ne servent à rien. Il nous faut de l'essence. Il y a quoi là? The bag's full. If we were back in the old world. Qu'est-ce que c'est là? C'est tout? Ah, je pense que c'était principalement en fait le fusil à pompe hein, qui nous attendait ici. Ce qui est quand même pas mal. Et une note. Une lettre d'amour. De Joker. Ouais, c'est ça, c'était un braquage quoi. Putain, c'est comme ça que ça se passe, je suis en train de me transformer, c'est mort. Ok, il s'est suicidé. They tried robbing the bank on outbreak day. Pas de bol, Probably hein. seemed smart at the time. Je vais garder le fusil à pompe, ouais. Donc là, je pense que j'ai tout fouillé. Je peux continuer. C'est moi ou j'ai entendu un. Ils sont revenus? Oh putain, mais eux ils nous voient. Putain, j'ai peur, on y va, on tente. Ah non, putain! Il y a l'autre juste là, mais ça c'est un cliqueur. Je peux remettre ma lampe torche. J'ai peur que ça fasse du bruit, ça. Ouh, c'est bon. Attention, attention, attention! Ah. Il y a un tiroir que j'avais oublié là, un placard. On va aller voir ça tout de suite. Ouh! C'est bon, on a vu tout ce qu'il va y avoir dans la banque? Mais non. Est-ce que du coup le personnage secondaire me. Ah ouais. Check. Ok. Il y a d'autres pièces là-bas, non? Non, ça sert à rien. Ok, donc c'était vraiment pour trouver le fusil à pompe. Écoutez, c'est pas plus mal. C'était bien ça. Et je pensais vraiment qu'il allait avoir beaucoup plus à faire ici. Je peux grimper là? Mais bon, si elle a dit qu'on en avait terminé. Je suis con, c'est là d'où je viens. I don't know. Maybe a big farmhouse? But you can get a farmhouse now. Okay. What would you get? A space shuttle? No, that's right. Your astronaut thing. Hey, it's cooler than a farmhouse. Farmhouse is way more practical. On va essayer d'aller explorer I got a shotgun out of it. Un petit peu les autres bâtiments qu'il y a dans les rues à gauche là, parce que c'est sûr, j'ai oublié. C'est quoi le dôme, c'est ça? Ah, on est d'accord. Et le dôme. Voilà, j'avais bien senti quand même. Effectivement, ça ressemble plus ou moins à un dôme. Alors là, on peut passer par là, j'ai l'impression, non? Ouais, ça pue, les amis! Ça pue, ça pue! Les armes sont rechargées. Voilà, je remets les balles. Check out those stained glass windows. You don't see many of those.
C'est un peu comme une église là, ça veut dire qu'on peut passer si je lance un. Si je lance un. Une bouteille, un projectile. Here we go. Fedra secured the shit out of this place. Ouais. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. Va y avoir plein à bouffer là. Ok, est-ce qu'il y a toujours pas de kebab? C'est terrible ça. Là, il y a quoi? Ouhou, ok. Est-ce qu'elle voulait dire que je devrais les péter? Non. C'est ça qu'elle sous-entendait quand elle a dit vise un peu les. Parce que j'ai pas envie de casser ma bouteille. Mais à la fois, j'ai pas l'impression qu'on puisse escalader beaucoup quoi. Par où est-ce qu'on passe? Hop là. Donc on se laisse tomber ici. Ça là, c'est une petite porte. Compliqué là. Attendez, il y a un truc dans ce camion? Non, il y a rien. Mince alors. On va faire le tour de l'autre côté. Payette. Payette, j'ai besoin de toi. Ça sent quand même l'entrée là. Hein. J'ai l'impression de m'éloigner. Ouais. Là, je m'éloigne beaucoup. Pour moi, c'est là. Hein. On va essayer de continuer à faire le tour là. Je pense que j'ai dû louper quelque chose. Comme ça arrive de temps en temps, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est jaune. J'imagine que c'est le jeu qui essaie de nous indiquer. Et regardez par là, il y a quelque chose d'intéressant. Waouh, c'était une chute beaucoup plus haute que ce que je pensais. Ah oui, t'es pas con, toi, tu fais le tour. Ah, est-ce que je peux tirer dessus? Can you get through? All right, I got you. Shit. Stay low. Ah oui, dans l'herbe, c'est plus difficile. Ok, il y en a combien? Il y en a juste un? Ça devrait aller, mais après, je vais pas utiliser mon gun, quoi. Ça va faire trop de bruit. Ça veut dire que dans l'herbe, je peux presque le prendre de face, quoi, c'est ça? Hello? Ouais. Attention. Hop! Voilà, elle va se servir de l'autre. Ça, c'est parfait. Merci Dina. Oh, regardez les détails sur la mousse et tout. Ok, on va continuer. Pas d'objet à récupérer, j'imagine qu'il va falloir passer. Là dans le camion, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Ok. Par là. Hein. J'utilise beaucoup ma lampe torche, hein. Je suis pas vraiment dans l'économie d'énergie. Ah putain. Ah ouais, là c'est vraiment de l'infiltration pure et dure. Là ça va être compliqué les amis. Oh, ils sont beaucoup là. Ouh là là là. Est-ce que ça se tente à l'arme? À la grenade? Je sais pas. Ou alors on peut juste peut-être les contourner. Il y a lui là qui est en train de réfléchir un peu à la vie. Ok. Oh! Wow, je t'ai pas vu du tout. Je t'avais pas vu. C'est dangereux là. Oh là 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 là. Je pense qu'on va juste les éviter. Hein. Ils sont trop nombreux. C'est trop risqué. On va ramper tranquillement. Je pense qu'on est bon.
sais pas où est Dina, j'espère qu'elle va bien. Ah ok, elle est juste là. A chaque fois j'ai envie de dire Dani. Marrant ça. Ok, j'espère que je vais pas avoir à me les taper sur le retour quand même, parce que je me dis toujours qu'un zombie pas tué, c'est un zombie qui va me tuer. qui va me chercher un petit peu après quoi. En tout cas c'est vachement joli à l'intérieur, on dirait la coupole là, à Rome. Hop là. C'est une église. Avec une prison, ouais c'est ça, c'est une... un petit confessionnal. Y'a personne à l'intérieur par contre, pas de zombies j'ai l'impression. Enfin je crois. Vous le direz s'il y avait des gens. Hey Ellie, this place is a synagogue. Synagogue, voilà. How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. And two, I didn't burst into flames just now, so. Burst into flames? It's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones. You shut it. Non, c'est vrai que j'ai récupéré pas mal de trucs. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue. Un crafté encore un. Ça pas encore non plus. OK, donc pour l'instant. You never struck me as much of a believer. Nah. But I like coming from a long line of survivors. You mean c'est pour moi les bébés. That and the Inquisition and the Holocaust. The Spanish Inquisition. Made it out alive. Barely. Un sketch très drôle des Monty Python si vous ne connaissez pas le où il débarque à tout moment en tant qu'inquisiteur espagnol et ils disent que personne ne peut s'attendre à eux. Alors attendez, on va voir. C'est tout? C'est tout ce qu'il y avait ici? Non. Non, 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 non. J'ai pas fait ça pour quelques boulons, il va y avoir un truc. Une mitraillette. Un FAMAS. Un lance-flammes. En tout cas, très content de savoir qu'il n'y a pas de zombies à l'intérieur. Alors là, s'il va y avoir quelque chose derrière. Okay. Je suis encore traumatisé de celui qui m'a sauté dessus dans le café là. Alors je peux passer là. Et je peux aussi pousser ça. Ah d'accord, je peux gérer la direction du truc. Donc ça va me servir pour escalader, j'imagine. Mais escalader quoi? Escalader ça, hein, tout simplement, je crois. Par contre, j'ai un peu du mal à diriger. Excusez-moi, pardon. Pardon, on passe tranquillement. Hop là, on lâche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et l'essence! J'aurais bien aimé qu'il y ait la petite musique de Zelda, là, des coffres, quand même, pour me féliciter. Oh hell yeah. Hey, language. This is a house of worship. We got some gas. Oh fuck yeah. Okay. Bon. C'est là qu'il va se passer quelque chose. J'ai pas assez confiance. C'est toujours la merde. On a récupéré ce qu'il fallait là. Je remets ma lampe torche parce que. Économie zéro. C'est tout? When? I said one when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. A way to show respect. It's what I know. Par contre, on sort comment? Ok, alors attendez. Je pense que je peux encore bouger ça pour m'en servir. Ouais. Ok, alors est-ce qu'on peut tout escalader? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux aller là. Hein. Laissez passer. On laisse passer. Hop! Voilà, c'était bien ça. Ouh, goodies. On va se battre. Ouh, des boulons. Y'a rien là-dedans. Venez dans la poche de maman. Ouh.
On va faire du... Ah, ça, c'est du Uncharted, ça. On reconnaît bien les Naughty Dog, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Des pommes. J'ai faim. C'est quoi? Il y a un zombie à l'intérieur. Ah, des parchemins de Nathan Drake. Qu'est-ce que c'est? Oh, this is the Torah. The what? It's scripture. It's like a Jewish Bible. Hmm. My sister would have flipped for this. The one we used in New Mexico was half burned. All right. Well, at least I didn't just chuck everything. On n'embarque pas la Torah avec nous? Ok, on la laisse ici. Il y avait un arbre, une peinture d'arbre. Ok, alors on va se balancer. Je vais essayer d'aller explorer un peu à gauche et à droite avant de retourner à l'entrée. J'ai plus le... Attendez, je secoue ma manette. Là, j'ai l'impression que ma lampe torche est... Ça me propose plus de le faire, là. Ok. Oui, j'aime bien, oui. Merci. Super. Ok, donc c'est exactement les mêmes touches que dans Uncharted. Oh putain, attendez. R1, ouais, d'accord, j'étais sûr. Donc en fait, si j'appuie pas sur R1. Et je. Ok. Si j'appuie pas sur R1, ça me fait juste monter en hauteur ou descendre de la corde. Et si j'appuie sur R1, ça me fixe. Hop! Ça devrait le faire là. Oh putain! Ok, on va sortir par là. Avant, je vais juste regarder ce qu'il y a dans cette porte, là. Pas de zombies. Peut-être que c'est ici qu'il y a des trésors cachés. Je ne sais pas qui sont ces personnes. 5774. Ah, c'est leur calendrier. In the future? No, doofus, that's a Hebrew calendar. Eh oui. For the new year. My sister used to give me an apple dipped in honey. Ugh, now I'm craving it. Ok. Mince, j'ai pas eu le temps de faire la... Là, c'est bon, hein? Ouais. Attendez. On a rayé le dôme ou pas? Non, ça, c'est les inspirations d'Elie. Donc, elle écrit Elie, hein? Par contre, sur la carte, est-ce qu'il considère que c'est bon? Là, on a fait... Je pense, oui, parce qu'on a l'essence, mine de rien. Là, c'est juste de la descente. Hein. Hop là. J'espère que Payette n'est pas parti trop loin. Pas se faire bouffer par des... Hop. Belle chute. Ok, gate. Ok, on peut retourner au portail. Je pense qu'il y a d'autres choses à explorer, par contre. Ça s'arrête pas là, enfin, je veux dire. Mais si ça se trouve, on va pouvoir y retourner dans la ville, en fait. C'est ça, j'hésite à aller au portail maintenant. Ou alors, est-ce qu'il faut que j'explore maintenant, parce qu'après, je pourrai plus y retourner. Onward, Shimmer. Non, on va aller à la porte. Je suis sûr qu'on va y retourner. Là, c'est trop grand pour que ce soit juste une petite dose de jeu. You? Same. Just having a roof over my head. You know, I've always dreamed of fixing up a farm just outside of Jackson. Why wouldn't you stay in town? I don't know. Well, that was an adventure. I haven't found any of them yet. Hey, it's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. Just thought we'd see one of them by now. Ok, c'était là, hein. C'était ce générateur-là. Attention. Here we go. I got it. You put in the code. Alors le code. Il va falloir que je regarde parce que je m'en souviens. Control generators are pretty finicky, so it might take you a few tries of... Oh. Sorry, go on. C'était là le code, hein? Nothing. Ouais. Merde, c'est la carte. Je fais que me tromper. Ah! Alors. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Code des postes de contrôle. Merde, on est à laquelle? On est West 2, je crois, non? 0451, c'est ça? J'ai pas regardé. East 2. Ah!
c'était pas loin. Is 2, is 2, is 2, is 2. Oh là là, c'est plus possible. Alors, is 2, on y retourne très vite fait. On va y arriver. Plan du braquage, hein, c'est bien. Hein. Eh ben dis donc. Note de réfugié, infographie, code des postes de contrôle. Ok, is 2, is 2, is 2, 53-45. Très bien. Here goes nothing. 53-45. It worked. Well, no welcome, or they're just waiting for us. Let's look for a way in. Ok, on progresse lentement mais sûrement. On va se faire tirer dessus par des résistants, c'est ça? Est-ce qu'il y a des objets que j'ai loupés là? Je crois pas. En tout cas, le décor est excellent, ça donne vraiment envie de, de visiter Seattle. Wolf, WLF. Ah, ça va être là, ils sont là. Ok. Le cheval stresse un peu là. Je vais voir s'il n'y a pas d'objet. Non. Mais après, on peut certainement grimper là. Non, ça sert à rien. L'appareil, le toit là. Regardez. Est-ce que ça sert à... Est-ce que je peux grimper comme ça? Non, je pense que ce sera pour descendre parce que là. Non. Est-ce que j'aurais pu essayer de grimper? Ah, peut-être là. Je suis bloqué. Je peux pas me relever. Ah voilà. Attendez. Ouais, ça me paraît bizarre que ce soit aussi compliqué. Non, là, je peux pas sauter. Ok, je voulais voir si je pouvais accéder en haut là, vous voyez, il y a carrément une entrée, mais à mon avis ce sera pour sortir, ce sera plutôt une sortie. Ouh là, c'est quoi ça? Putain, ils escaladent, c'était sûr. Ça c'est une autre porte qu'on va devoir activer ça. On peut l'activer tout de suite ou il va falloir retrouver encore de l'essence? Tu as un code pour cette gate? Not sure. Ok, le code sera East 1, on l'a pas celle-là. Donc ce sera à l'intérieur le code. Ou alors il va falloir grimper. Ok, on va devoir escalader comme ce jeune énergumène. En espérant qu'il n'y ait pas trop de bordel à l'intérieur. Non, en tout cas, il s'est déplacé avec une certaine fougue. C'est qu'il doit avoir à manger là-bas, il doit avoir un truc, il doit avoir des êtres humains. On va essayer d'y aller assez discrètement. Ouais, il a été attiré par l'intérieur, ça me rassure pas, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'il soit. Pour qu'il ait eu envie d'escalader comme ça le truc? Est-ce qu'il y a un truc dans le bus là derrière? On peut rentrer dedans? Non, en tout cas ça fait un très joli vivarium. Là on pourrait y mettre nos lézards. Ok, ok, alors. Y'a quelqu'un? Putain, ils sont en train de bouffer, y'a à manger. Oh là là, ils commencent à en avoir beaucoup désinfectés là quand je vais dans les endroits. Il y en a un à gauche, là, on le voit. Oh, y'en a beaucoup. Est-ce que je peux me débarrasser de tous? Alors attends, je peux peut-être essayer lui discrètement. Oh putain, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Je suis caché, hein. On est d'accord, je suis caché. Je suis caché. Hop là! Un de moins. Continuons. Oh putain, elle m'a fait peur. Des boulons. On prend du tissu pour s'essuyer les larmes. Il va me voir. Je pense qu'il va me voir. Non, c'est bon. Ils sont nombreux là, hein. Ils sont vraiment nombreux. Est-ce que je m'en sortirais pas mieux à balancer une grenade étourdissante? Oh! Je sais. Là! Oh oui, il a couru dedans! Non, il est en feu lui? Oui, c'est bon. Attendons un peu, attendons un peu. Recrois un peu, un petit coup dedans. Voilà, reste dans les flammes, reste dans les flammes, reste dans les. Oui! Reste dans les flammes un peu plus longtemps. Ah, je pense que ça va pas le tuer. Ah si, il y a forcément un moment où ça va le tuer. Oh non, ça l'a pas eu. Je vais peut-être l'avoir discrètement.
Non, il est en panique en tout cas. Hein. Complètement en panique. Hop! Pas mal. Il y a un baby foot. On va peut-être faire une partie en plus. Et finalement, ce cocktail Molotov m'aura bien aidé. Là, je pense que. Je pense que j'ai nettoyé la zone, non? Est-ce que vous en voyez? On regarde bien autour. Ok, c'est bon, il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Il y a un fusil. This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. Ah merde. Ça sent pas bon ça. That's good, right? Those fuckers who killed Joel got taken up by some random infected. J'ai ramassé quoi? Non, c'était des balles de. I'm not sure that's justice. Des balles de fusil. Ça c'est hyper cool d'avoir ça chez soi. On va peut-être en ramener un pour le campement là, c'est pas. Est-ce qu'on peut jouer un peu de piano? Non. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Attention, je crois que là j'ai tout récupéré. Non. On va prendre l'argent de la caisse. Hop là, c'est bien, ça nous fait des ressources. Là, il y a quoi? Il y a rien. Ça, je pense que j'ai pas mal. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à crafter? Je suis déjà arrivé, c'est par là que je suis arrivé, n'est-ce pas? Je crois, hein. Quand j'étais caché, mais est-ce que je suis allé voir là? Oui, certainement. Oui. Ok, donc à mon avis, là, je vais crafter un peu et on va passer cette porte et on va voir ce qu'il y a derrière, hein. Peut-être un moment de vérité. Est-ce que les loups sont là? On va reconfectionner ça parce que ça m'a bien aidé. Ok. C'est parti.